Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je vous invite aujourd'hui à l'inauguration de la maison de la mode et du design qui s'appelle le MAD. Et je suis en compagnie de Philippe Claus. Tu es ici quelque part un peu l'initiateur de cette histoire, non? Ou en tout cas, tu es le déclencheur de cette initiative. Mais écoute, d'abord, je veux quand même le dire, il y a quand même toute une équipe derrière. Mais c'est vrai que, comme homme politique, on est venu me parler de mode et design, on a eu beaucoup de secteurs qui ont voulu se mobiliser parce qu'ils sentaient que Bruxelles avait vraiment une force dans ces métiers-là. Et il y a eu la constitution d'abord d'une ASBL qui s'occupe de la promotion de la mode et du design, d'aider les jeunes ou les moins jeunes créateurs, les gens qui sortent de l'école, les gens qui y retournent, à s'exprimer, à s'exporter, à trouver des jobs. Et donc ça a d'abord été la création de cela. Et très vite on s'est dit, il faut un lieu. Il faut un lieu qui représente ça. On sait que l'architecture, les maisons, elle représente aussi l'identité qu'on veut donner à un projet. On a un peu expliqué ça avec Philippe il y a quelques instants d'ici. En deux mots, ton aventure à toi, ta vision. Donc la mienne, elle a commencé en 2006, pendant l'année de la mode et du design. En fait, elle a commencé quand j'avais 20 ans, parce que j'avais ce projet dans mes tripes à l'âge de 20 ans. Et puis, j'ai fait autre chose de ma vie. Et puis, soudainement, en 2006, la région de Bruxelles-Capitale décide de créer une année à thème sur la mode et le design. Et je me suis dit, c'est le moment, c'est l'instant, il faut que je réfléchisse à ce projet. Et je suis venue voir Philippe Claus, j'ai travaillé au commerce extérieur pour m'occuper de la promotion internationale de la mode et du design. Et Philippe Claus, étant échevin du tourisme, m'a proposé de devenir expert au bureau des grands événements de la ville. Et dans le cadre de ces deux fonctions, j'ai créé le dossier du futur centre de la mode et du design que je lui ai soumis. Et en 2007, avec le concours du centre d'entreprise d'Ansart, on a déposé le projet au niveau des fonds européens et on a été retenu. Et c'est là qu'est née cette fameuse idée de faire un MAD, donc une vitrine sur la mode et le design, parce qu'avant il y avait Modo à Bruxelles qui faisait uniquement la mode. Voilà, il y avait Modo Bruxellais qui existait depuis 1994, qui faisait la promotion du secteur de la mode. Il y avait Design in Bruxelles qui avait un peu moins d'ancienneté, qui existait pour promouvoir le design, mais il le faisait avec des moyens assez réduits. Et l'idée c'était aussi d'amplifier et de montrer le vecteur économique et d'emploi que la mode et le design apportent à Bruxelles, comment ils ramènent de l'image aussi à une région, parce que ces secteurs vont à l'international naturellement partout, et comment les soutenir vraiment en amont pour qu'ils rayonnent encore plus pour la région. Mais l'idée, c'était dès le départ de créer une sorte de maison, de vitrine. Oui, donc l'idée, c'était d'avoir un lieu physique qui rassemble, comme une forme d'agence unique, toute une série de services pour promouvoir la mode et le design et aider les créateurs et designers à se développer, à se professionnaliser, à aller plus à l'international et être plus reconnus à Bruxelles. Et on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on a trouvé un lieu, c'est vrai pas en très bon état, mais à acheter dans le quartier d'Ansart, qui est le quartier évidemment de la création reconnue partout à Bruxelles. Quel bazar! Ben oui, c'est ça. Hein. Quel bazar, c'est sûr que c'était le premier truc. On était là, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on démolit? Qu'est-ce qu'on garde? Ce qui est dingue, c'est que vous avez pensé à un moment donné de dire on va garder quelque chose parce que c'est arrivé à la fin du processus. Parce qu'on on va d'abord faire table rase. D'abord, on fait table rase. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un passage, une grande salle. Et ça a pris, je dirais facilement, un peu un mois de tâtonnement, d'essai pour finalement se dire que mais non, on garde le bâtiment et on commence à travailler avec quoi. Et ils arrivent avec l'idée de ne pas faire du Zaha Hadid ou du Jean Nouvel, mais de tirer parti du tissu urbain existant et de le magnifier. Et on a bien adhéré à cette idée. C'était les seuls sur les 37 qui était dans cette idée-là et de mettre en valeur finalement de l'existant qui n'était pas beau, mais de le révéler et d'en faire quelque chose avec une plus-value. Moi, je veux rendre un petit hommage aussi à quelqu'un qui m'a toujours beaucoup aidé dans les projets, c'est Olivier Bastin, bien connu sûrement des personnes qui suivent l'émission. Qui est architecte et qui était Baumeister peut-être déjà à l'époque. Et qui présidait le jury et qui a eu vraiment ce feeling de sentir que ce que proposait V+, il y avait quelque chose de puissant et de fort qui allait répondre à nos attentes. Il y avait trois bâtiments. Un bâtiment qui se trouve sur la place du Vieux Marché au Grain, qui est quoi, un bâtiment des années 60? Oui, années 60, la bonne étagère fonctionnelle à l'époque, on disait...
le programme avant tout. C'est une bonne étagère avec une façade en aluminium, comme on a beaucoup de bâtiments à Bruxelles, quoi. Alors à l'arrière, on a un bâtiment qui se trouve rue Rempart des Moines, oui. C'est ça, qui lui était un vieux bâtiment. Hein. Ben oui, alors là, ça c'est vraiment assez ironique. C'était un bâtiment qui, à la base, il y avait un bâtiment qui était classé, et puis ils l'ont démoli, mais la commission des monuments au site a imposé d'en refaire un pastiche. Pour respecter les gabarits, sauf que techniquement, il a été construit avec la même technologie que le bâtiment des années 60, c'est-à-dire une structure porteuse en béton, et on remplit tout ça joyeusement avec des briques, et on met des briques de façade, etc., avec une fausse toiture en tuiles, vraiment un décor à la mini-Bruxelles. Et c'est le même architecte, celui de devant que derrière, alors que c'est deux architectures totalement différentes. C'est donc déjà une histoire complètement bruxelloise. Et puis un bâtiment central que l'on voit, que l'on devine derrière nous, qui est ce qui relie un peu c'est le gros mammouth, c'est le bon bâtiment du 19e siècle qui a subi déjà des rehausses, qui est un ancien magasin avec des planchers en bois et qui est en fait le gros bâtiment du centre de l'îlot que personne ne voit. Et donc, par exemple, un des gros travaux a été de rendre poreux les deux bâtiments les deux bâtiments à rue pour justement qu'on sente qu'il existe. Ce bâtiment au centre, quoi. Que quelque part, on a l'impression que toutes ces contraintes, tous ces problèmes ont rendu ce projet magnifique, ont magnifié le projet. C'était un pari, mais je suis content que vous le percevez comme ça parce que il y a des moments où on a eu très peur, mais c'était un pari. Et ouais. Effectivement, tous les espaces, c'est un travail de sublimer le problème, de glorifier le défaut, et de faire que les choses passent de l'un à l'autre d'une manière fluide, en acceptant parfois des ruptures fortes, un travail de composition qui procède de l'archéologie, savoir ce qu'il y a, du scalpel et la chirurgie, ou vraiment de la grosse chirurgie, là j'ampute, j'enlève, je fais des trous, et puis un travail de puzzle, j'ajoute ceci, pour que ça fabrique un espèce de bâtiment, organique, sans avoir une géométrie organique. Quoi. Donc quelque chose qui, on passe de l'un à l'autre, comme quand on se promène dans une forêt, qu'il y a un arbre, un autre, d'espèces différentes, et que ça forme une forêt. Quoi. Vous avez également, dans ces extractions, gardé en fait différentes essences du bâtiment, des poutres en bois, une cage d'ascenseur en brique qui semble être unique à Bruxelles ou des choses comme ça. Oui, c'est ce qu'on appelle la matière révélée. On avait un peu une stratégie parce que quand on travaille l'existant quelque part, on peut tout définir, mais il faut à un moment donné avoir une certaine flexibilité. Quand on doit rajouter une matière parce qu'on doit protéger, isoler ou améliorer les prestations acoustiques, mais là on travaille avec ce qu'on appelait le catalogue du blanc, plein de blancs différents. Et c'était également important que la chose ne soit pas stérile. Comment tu trouves le bâtiment maintenant qu'il est terminé ? Alors, c'est un écrin de lumière dans la ville, c'est une page blanche qui s'ouvre. Pour nous, c'est vraiment un renouveau, une renaissance, et c'est une manière pour nous de donner une vraie vitrine à la création bruxelloise et internationale, parce qu'on va rentrer dans une dynamique d'échange avec des centres équivalents, avec des homologues, avec des partenaires de la culture, de la mode et du design. Et donc, c'est une manière aussi de révéler au grand public le vocabulaire, l'ADN de la mode et du design à Bruxelles. Et ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans la programmation ? Je sais qu'on va certainement trouver des expositions, des échanges pour le grand public ou pour les professionnels, mais pas seulement, parce qu'il y a des bureaux, mais il y a des ateliers. Vous allez faire des résidences, vous allez écoler des gens. Tu peux expliquer un peu ? Évidemment, donc tout le rez-de-chaussée est un espace d'exposition qui permet effectivement tout ce qui est performance, vitrine des jeunes talents, exposition à plus grande échelle, à plus petite échelle, long terme ou court terme. Et puis évidemment, il y a tout un dispositif d'accompagnement que le MAD offre autour des carrières dans les filières de la mode et du design. On accompagne des chercheurs d'emploi, il y aura un espace de coworking, on a tout ce qui est aide à l'entrepreneuriat, où on travaille sur les business plans de ceux qui veulent créer une entreprise. On a des coachs spécialisés métiers qui viennent regarder les trajectoires professionnelles de nos entrepreneurs. Et puis, on a une cafétéria qui va servir pour des expériences en design culinaire. Donc, en fait, c'est vraiment un lieu interactif d'expérimentation. On voudrait mettre en place des stages pour les enfants, faire venir des écoles pour montrer aussi comment la mode et le design parlent à la société. Donc voilà, c'est vraiment un lieu pluriel et ça a été notre
mot d'ordre aux architectes, c'est « permettez-nous la polyvalence ». Je voudrais revenir sur une toute petite chose que tu as dite, comme quoi c'était un écrin de lumière. Moi, ce qui m'a frappé dans la visite, c'est effectivement toute cette lumière, alors qu'on est quand même toujours en hiver, qui rentre dans ce bâtiment. C'est éblouissant. Voilà, oui. Je pourrais même presque dire ça. C'est vrai, mais quelque part, le travail des architectes a été de faire en sorte qu'on puisse voir à travers tout ce bâtiment et que depuis la place du Nouveau Marché aux Grains jusqu'à la rue Rempart des Moines, cette transparence perce de partout. Et ça, c'est quand même une manière de travailler qui est tellement confortable et qui permet aussi aux créateurs et aux designers de venir utiliser l'espace comme espace d'expression sans pour autant que nous imposions quelque part une signature. Alors, Alexandra, on va rester là pour cette émission. Je reviendrai, j'espère, pour d'autres manifestations. Bien sûr, avec j'espère que grand plaisir, tu m'inviteras. Avec grand plaisir. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be et on se retrouve très vite pour un nouveau Archi Urbain sur BX1. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.